dois le faire. Tu es à la maison, tu as le dernier changement pour une raison. La Caroline gagne la mise en jeu. Pression exercée par Marcus Johansson qui va accélérer. Il applique les freins. Il attend. Johansson, la passe. Kemper, lance. Et gold! Steve Kemper à la place de McAvoy marque le premier but du match. Et les attaquants du côté de la Caroline, beaucoup trop de place. Excellent travail de la part de Johansson, vraiment pour ralentir et attendre cette deuxième vague. Kemper qui s'amène. Mais en avantage numérique, ça n'a pas très bien été pour les Hurricanes jusqu'ici. Ils ont joué remporté. C'est Svechnikov, un ancien devant des vieilles comptes. Qu'est-ce que je disais? Ça va très bien pour les Hurricanes en avantage numérique. Sébastien Aho crée l'égalité. Oh, quelle pièce de jeu de la part de Svechnikov au point d'appui. Il est arrêté avec Grizzlick. On a le dévié. Au point d'appui, c'est Slavin qui se déplace. Le tir, arrêt. Et au retour, Williams, un autre tir. Beau déplacement de la part de Rask. Bergeron, pas très loin. La rondelle, toujours débattue dans le coin. La rondelle à Bergeron. Le tir, arrêt. Megan veut dégager, c'est intercepté. Marchand à Krug. La rondelle en plein centre. Teravainen complète la passe. On attaque, Niederreiter, une passe. Le tir, oh, vient de frapper le poteau. Belle occasion ratée par les Hurricanes. La rondelle vers Stahl. Stahl tente une passe. Va le faire vers Aho. Au point d'appui. Falk, la passe. Teravainen, le tir, bel arrêt. Quel déplacement de la part de Tukarask. Passe à Williams. Williams qui attend, patient. Williams à l'embouchure du filet, devant, arrêt deux fois et Rask qui s'impose. Ben, les Bruins peuvent dire merci à leur gardien et attention, leur Chara est en furie. Alors il y aura des confrontations à surveiller et on en voit quelques-unes dès le départ. Martinuk passe pour McKay qui va accélérer. McKay vers le filet, le lancer. Oh, et là, est-ce qu'il y a but? Il y a eu contact. La rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. La rondelle a pénétré dans le filet, mais moi, j'ai hâte de voir s'il y a un contact. Il y a eu un premier lancé et par la suite, je ne sais pas s'il y a eu le contact sur Rask avec la rondelle pénétrer dans le filet. Je n'ai pas vu Marc Joannette. Chaque mise en échec, peu importe l'adversaire. Dans ce cas-ci, c'était Zdeno Chara. Nordstrom. Le dégagement. Brandon Carlo, défenseur, va les récupérer. La passe est devant, disque libre. Devant. Oh! Et arrêt! Demer Isaac qui s'en est bien sorti. Et là, c'est Carlo qui veut s'en prendre à Dougie Hamilton. 33 secondes à la pénalité. La rondelle est changée. Krejci, la passe dans le coin. Krug, de retour à Krejci. La passe, Marchand un tir. Rondelle est balancée. Et compte! Marcus Johansson crée l'égalité. Mais avec des efforts de la sorte, on se retrouve avec un pointage de 2-2. Hamilton au banc des pénalités. Mise en jeu. Gagné par Stahl. La rondelle sur la rampe, disque derrière à Pastrnak. La rondelle est dans le coin, envoyée devant, Marchand, une passe, une autre tir et compte! Patrice Bergeron! Les Bruins reprennent les devants. Et par la suite, regardez la façon dont on va bouger cette rondelle, la part de DeBrusque et Marchand qui remet à Bergeron. Alors que Murray Zek, lui, s'était compromis d'un côté, doit récupérer, revenir dans l'enclave, mais le temps qu'il va pousser, l'opportunité est là, entre les deux jambes, Bergeron va en profiter. Regardez bien, le mouvement de rondelle rapide est venu à bout du gardien Boomer Hasek. Il revient dans sa zone, passe pour Slavin. Slavin qui remet en retrait, la passe sur la rampe. Et là, le disque est envoyé devant, le disque qui va glisser au fond du filet. Regardez bien, c'est whoops, elle rebondit un peu partout. Elle termine sa course en frappant à haut et va se retrouver dans le fond du filet. On va le prendre du côté des Bruins de Boston, bien entendu. En plein centre, revirement. C'est Wagner, va s'échapper. Wagner lance et compte. C'est 5-2. Ben là, le match est vraiment hors de portée pour la Caroline. Oui, c'est un petit doute, là, il n'y en a plus. Dégagement de Nordstrom. Nordstrom qui envoie la rondelle dans le territoire des Hurricanes. Et on va écouler les dernières secondes. Les Bruins auront eu chaud, mais gagnent le match numéro 1. Oui, chapeau Bruins, vraiment.